Agathe Renaud-Monnet, je suis enseignante aux écuries du Clos à Bouguenay, près de Nantes, depuis 9 ans. Les écuries du Clos, c'est une grosse structure. Il y a 5 ou 6 enseignants, me semble-t-il, dans notre structure. Il y a à peu près plus d'une centaine d'équidés, plus un palefrenier. Mon métier consiste à transmettre mon savoir, essentiellement aux enfants, aux adultes. Ça me permet aussi d'emmener quelques cavaliers en compétition. Donc, je fais du loisir et de la compétition. Et je travaille également la cavalerie pour que tout le monde se trouve son compte. Mes cours vont au maximum jusqu'à 11 cavaliers. Je les prends une heure par cours. Et après, je donne les objectifs, alors du loisir à la compétition, en CSO et en concours complet. Alors, mon parcours a été suivant. Après un bac S, j'ai entamé des études à la fac de sport. J'ai présenté le concours pour être professeur de PS, que je n'ai pas eu. Et ensuite, j'ai présenté le concours pour être monitrice, le BPGEPS mention équitation. Alors, les avantages, c'est travailler en extérieur, avec les animaux, avec les enfants, avec les parents, offrir des choses variées, aussi bien en carrière que des travaux en extérieur, des promenades. Et après, en termes d'inconvénients, les horaires un petit peu décalés, tard le soir parfois, et être disponible aussi le week-end. Alors, si j'avais un conseil à donner aux jeunes pour rentrer dans cette formation, il faut être très très motivé, être disponible, être quand même assez sportif quelque part.